On va faire la pâte à pain. Dans le robot cooking, il nous suffit du bol avec les lames. Voilà, on ferme. Pas je sens. Il nous faut 310 g d'eau, donc on va peser. Ah, trop vite. Mais au moins l'exemple est bon. Il suffit de retirer, de verser. Donc on a la possibilité d'avoir la préparation pour pâte à pain sur le site Gourmandise. Le sel est intégré dedans. Donc on a besoin de farine T55, d'eau, et c'est tout. En 2 minutes, ce sera prêt. Donc on part pour 30 secondes, 40 degrés, en vitesse 2. Donc dans cette levure, on a le sel inclus. Si vous utilisez de la levure boulangère, vous mettez 10 g de sel, à peu près 2 cuillères à café de sel. Donc là, on pèse, il nous faut 500 g de farine. L'astuce pour éviter que le couvercle soit plein de farine, parce que ça va très vite, on part juste sur en vitesse 2 pendant 15 secondes. Ça va remuer un minimum pour éviter que le bol soit trop sale. Voilà. Maintenant, il suffit d'utiliser le mode pétrissage. Donc, c'est 2 minutes. De ce temps, on va chercher un bol en inox. C'est lui qui va nous aider à faire lever la pâte. Donc, pétrissage. Le pétrissage est fait. Donc là, moi, j'ai essayé plusieurs méthodes. On a le bol qui a 40 degrés. Donc, il est conseillé dans le livre de prendre un bol en inox, de l'y mettre dedans et de par-dessus mettre une silpate. Méthode, la possibilité de faire lever dans le bol en inox et de mettre la silpate par-dessus, on a 20 minutes de délai. Là, on peut aussi la laisser dedans parce que quand même, enfin, moi, je l'ai essayé. Le bol est à 40 degrés, donc moi j'ai divisé par deux. Au lieu de 20 minutes, je mets que 10 minutes de pause. Le twist, c'est qu'après, il faut la laver. Et là, c'est un peu plus difficile. Donc là, on a évité que la farine soit projetée ici. Donc déjà aussi, pour laver, c'est plus rapide. Et là, la pâte est prête. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre le bol inox dans de l'eau très chaude. Donc déjà, il est à bonne température. Et la pâte est prête à être levée. Donc on enlève la pâte prudemment parce que les lames, c'est quand même dangereux. On récupère les lames. Un peu de pâte qui reste. L'idéal, c'est de les laver immédiatement, quoi. C'est de ne pas attendre. Sinon, c'est un peu plus difficile. Maintenant, il y a aussi un plan B. On remet les lames à l'intérieur du bol. On met un peu d'eau chaude, un peu de liquide vaisselle, quelques grains de riz. Et on met un turbo de 10-15 secondes, ce qui fait que ça se nettoie tout seul. On n'a plus qu'à rincer. Voilà le deuxième plan B. On va se lever pendant 20 minutes. Là, j'ai respecté les 20 minutes. Voilà pour vous montrer exactement ce qui se passe quand on respecte aussi ce qui est écrit dans le livre. Bon, moi, je vais faire des petites baguettes. Je vais faire des petits pains de 100 g chacun. Alors, pour la farine. Je vais réutiliser la silpate. Donc là, il nous faut 100 g. Je dois faire venir la pâte sur elle-même. Voilà, on fait partir. On essuie.
20 grammes chacun. La spatule vous permettra de toucher la pâte sans qu'elle vous colle au doigt. Entre utiliser la spatule et utiliser ses mains, bon, là, il n'y a pas le choix. Rien ne vaut d'utiliser la spatule. Au moins, ça colle moins. Alors, on va faire. Voilà, ça colle. Rien ne vaut la spatule pour manipuler la pâte. Si tu manipules la pâte avec tes doigts, t'en as plein les doigts. Avec la spatule, ça colle pas au doigt. Oh. Non, du tout. C'est pour ça que les pâtissiers utilisent la spatule. Tu la manipules avec ça. Ah bon ? Ça colle pas les doigts. On n'a plus, mais bon, pas énormément non plus. On essaye d'enlever un petit peu l'air qui est dans la pâte. Mais pas énormément non plus, quoi. Voilà. Là, on continue, puis après, on va le recouvrir de linge. Et dans 30 minutes, on pourra mettre au four. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une alarme dans 20 minutes. Cette alarme dans 20 minutes me permettra de faire préchauffer mon four à 230-240. Voilà. Comme ça, on va gagner du temps. C'est toujours bon à prendre. Là, on va préparer le préchauffage. Il reste 10 minutes pour que le pain soit enfin levé. Donc moi, ce que je fais, ça, c'est des plaques que j'utilise plus du tout, maintenant que j'ai du demarle. Donc du coup, je m'en sers pour autre chose, pour faire préchauffer ce four, pour que ce soit assez humide. Il faut rajouter de l'eau, donc je m'en sers. On va monter la température à 240 ou 235 selon vos fours. Voilà. Là, je mets sur 10 minutes. Comme il s'agit d'une toile perforée, il vaut mieux prévoir une plaque en inox. Il ne nous reste plus qu'à inciser. Si votre pain s'affaisse, c'est que la levée a duré beaucoup trop longtemps. Donc ces lames sont dans le catalogue de Demarle. C'est vrai que c'est l'idéal. Le rasoir. Donc là, il conseille d'humidifier. Moi, pas forcément utile, puisqu'on a une base pour mettre où on a mis de l'eau. Où on va remettre même de l'eau. Donc c'est parti pour 15 minutes à 240 et après on réduira à 180 pour les 15 dernières minutes. Le pain est cuit. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble à l'intérieur, je vais vous en découper. Donc on a une mie qui est vraiment idéale. Au niveau de la cuisson, c'est aussi le son qui compte. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour se régaler.